Bonsoir à tous les journalistes qui ont participé dans le événement ça jeudi. Effectivement, le mouvement Mutation Haïti, dont M. le coordonnateur, a organisé la deuxième conférence avec le professeur Michel Souka. Ce n'est pas la deuxième conférence mouvement Mutation, mais c'est la deuxième conférence avec le professeur Michel Souka. Parce que le mouvement Mutation Haïti croit dans la formation, croit dans l'éducation. C'est ça qui fait qu'il toujours de temps en temps à recevoir des invités, tantôt dans le domaine économique, tantôt dans le domaine social, tantôt dans le domaine juridique. Jeudi, nous allons recevoir le professeur Michel Souka avec un pile satisfaction, un pile contentement autour de la thématique la radiographie de la bourgeoisie haïtienne. Professeur Michel Souka, c'est un professeur émérite qui passait de présentation, qui jeudi en te vient présenter à jeunesse là, à la communauté de Wana maintenant, qui ça bourgeoisie en Haïti vle dit, qui histoire et comment yo est jeudi au 21e siècle. Nous content que débat a été fait, nous content gen moun qui t'a posé question, gen moun qui t'est d'accord, gen moun qui pas d'accord, gen moun qui t'est fait proposition, mais au bout du compte, nous t'est arrivé à une conclusion que bourgeoisie ça qui là jodi a wolli l'a mené en pas bon faut qu'on l'autre bourgeoisie faut qu'on l'autre orientation. C'est message ça qui fait que nous t'es content pour moun wana m'entendre. Alors bourgeoisie ça nous même n'a parlé de l'IA, est-ce que c'est même bourgeoisie oligarque politicien panou habité baléa? Effectivement c'est même non, mais avec un détail plus scientifique. Et c'est un historien qui t'a parlé, c'est pas un monde qui t'a voyé monter, il t'a baillé jeunesse bourgeoisie à côté où commencer, comment il a évolué sous occupation américaine, comment il a pris essor, comment il a pris tout niveau succès avec Duvalier, comment il est aujourd'hui, comment il a économie en Haïti. Donc oui, c'est même oligarque ça, mais avec plus de détails scientifiques, avec plus d'éléments historiques. Et le professeur Michel Soukart a insisté pour montrer que jodi an bourgeoisie nous gagnons pas en faveur nation, peuple. C'est un groupe monde qui organise un réseau pour être capable de jouer un avantage financier au détriment de malheureux, malheureux mettre passé en bas. Mais ça qui est plus important jodi an, professeur Michel Souka, pas satisfait pour la montrer nous qui sa bourgeoisie, pour la présenter nos tableaux sombres. C'est vrai, on pile monde qui gagne l'argent pas régler rien dans pays qui sait représenter puissance internationale pour kembe pays dans sa lia. Mais ça qui est plus important que jeunesse en doit connaître, professeur Michel Souka proposer des solutions et demander jeunesse là pour jeunesse à organiser et pour jeunesse là pour un pouvoir. Une initiative comme ça, c'est pour nous capables de conscientiser la population nord-est là, pour nous faire connaître la voie pour y prendre. Parce que MMH voulait pour citoyens responsables, pour le prendre ville en main, pour le suspendre pour un chai, la guerre sous deux mondes, pour le suspendre plein, mais pour agir. MMH voulait pour un groupe de jeunes, on 30 000 jeunes dans le département nord-est là, qui dit nous, nous responsables, nous, ça nous voulait, qui bon, c'est pour le passé et qui prêt pour le goumer pour ça qui bon passé. Côté n'a privé, c'est là n'a privé. Je dis à nous pas satisfaits parce que nous n'avons pas quoi les MMH lancer une activité là pour commencer à l'heure. MMH l'a dit 3 heures, depuis 3 heures moins une est déjà prêt pour le commencer. Donc nous pas satisfaits parce que Mounio était en retard. Mais nous croyons avec le temps, il a fini par connaître. Depuis c'est MMH qui bon rendez-vous, venir à l'heure. Nous pas satisfaits sur ce point ça. Mais nous avons une salle comble, pas de place. Moun campé dehors, moun voulait acheter livre. Moun voulait poser question, pas de place pour question. Nous satisfaits aujourd'hui parce que la population du Nord-Ouest, Terrier Rouge, Autrou, Capoti, Montorganisé, Caris, Auperche et Ferrier, Wanamet et Latrier répondent à l'invitation. Parce que MMH veut dire tout le monde, ce n'est pas seulement les élections pour les réunir, ce n'est pas seulement les problèmes pour les réunir, c'est pour le peuple apprendre chita
pour l'apprendre ça qui est bon pour lui, pour qu'il apprenne destin en main. C'est culture ça. MMH, je voulais mettre dans le Nord-Est. En nous chita, en nous réfléchit pour l'aide à prendre décision, pour nous apprendre bonne décision. Est-ce que vous considérez comme résultat, les que j'ai des activités à avoir fait et nous avons participé, mais regardez dans le milieu autour, manquer des gens qui peuvent trouver des participations, ils ont fait. D'ailleurs, ce n'est pas qu'ils ont culture pareil. Mais qui est-ce que vous attendez? Qui est-ce que vous avez comme résultat, les gens du mouvement ça et la population même, et au fur et à mesure, la participation municipale. Bon, le résultat est palpable, est direct. Avec l'activité SAO Mouvement Mutation à organiser, nous avons une jeunesse dans le Nord-Est qui est mieux organisée. Nous avons au moins trois groupes jeunes qui sont venus au Mouvement Mutation Haïti. Ils ont dit nous, après, ça a fini d'entendre, ils ont choisi de faire une association. Nous avons l'autre groupe qui dit qu'ils ont choisi de faire une école professionnelle. Nous avons l'autre groupe qui dit qu'ils ont choisi de faire une formation pour jeunes dans le quartier populaire, dans le basio. Donc, le résultat nous joignons, c'est que nous joignons un groupe, en jeunesse, en société qui est mieux organisée, qui accepte chita pour réfléchir. Qui croit la vie, ce n'est pas seulement chercher à manger, mais c'est penser à l'avenir, penser à demain. Nous avons pile perspective, nous avons pour nous organiser, continuer à organiser et Taxi Manio qui a conduit dans l'arrière sans licence. Nous avons un groupe Taxi Manio qui a fait licence permis de conduire pour eux. Nous, Bayol, qui est-ce qui était financé, c'était Mouvement Mutation qui était financé. Nous avons un groupe Machanio que nous avons organisé pour nous capables de faire jeunes prêt à 0% intérêt. Et ceci dans toutes 13 communes. Nous avons Timoun l'école, qui a fait belle moyenne 8, moyenne 9, qui travaille bien, nous pouvons faire un club pour yo et un club de danse pour jeunesse capable d'apprendre à danser et sainement, pour pas danser tintin seulement. Donc nous avons en perspective des séries de formations et nous avons des gens qui sont dans la ria tout, que nous aider, des gens qui ont dit que c'est des fouillés, nous aider, nous pouvons aider plus de gens qui sont dans la ria qui n'ont pas moyen. Nous avons continué à faire formation parce que sans formation, sans l'autre mentalité, ou pas capable de gagner une nouvelle société. Et nous gagnons tout mouvement justice, parce que MMH croit dans justice en pile. Nous organisons des formations pour nous capables de connaître les droits, pour nous capables de défendre la tête, tant que les femmes qui ont petite sans papa, pour venir pour faire action pension alimentaire pour sans l'argent. Donc nous avons une perspective qui englobe les besoins sociaux du département du Nord-Ouest, et ceci sont obligations nous bailler tête nous, parce que si nous pas agi en bien, le mal a pas agi en place non. Si toutefois tu as décidé de voir un message à la bourgeoisie haïtienne, non, c'est qui message là? Message à clair. Après toute année ça, après plus de 50 ans, bourgeoisie a pas agi, Jean l'a pas agi, mais résultat ça baille. Jodi a nous gonpo au prince, tout monde paix, le droit de circuler pas existé, tout monde a le caché. Donc méthode bourgeoisie a qu'on utilisé a pas baille résultat. Mais sa production nationale nous est jodi a zéro. Nous pas qu'à marcher, insécurité a envahi. Donc c'est pour bourgeoisie a font bilan pour le dire, ça qu'on a fait au pas baille bon résultat, c'est pour changer d'orientation. C'est pour le changer fusil d'épaule, pour le dire qu'on y a, c'est pour l'intéresser à pays et non à intérêt personnel. Faut nous gagner le souci du collectif, le service public, l'intérêt commun, c'est ça pour qui domine activité nous, pour chaque monde si c'est pour nous poche simplement. Et pour nous finir, premier ouvrage de la TVS, Concordance du droit haïtien, votre tu as pour qui date? Et Concordance du droit haïtien, c'est deuxième ouvrage, Maître 26 a mettre dehors. Concordance du droit haïtien, un mot, des articles, c'est un livre scientifique qui pourra le sortir bientôt, dans la fin mois de juillet, dans la date là précisément. Et M. Gervais Charles, c'est lui qui fait préface là. C'est un livre qui pourra permettre à tout avocat, tout magistrat, faire droit autrement, faire droit en l'autre façon. Nous porter pendant 200 ans, sa magistrat à avocat, pas de jambes gagnées. Qu'est-ce que ça fait pour inspirer pour répondre à l'ouvrage? Ça qui inspire nous, c'est qu'en dans droit, magistrat, avocat, étudiant, a levé tête en l'air, il a inventé ça la loi pas dit. Nous te dit problème ça grave, les juge a condamné moun pour infraction qui pas existé. Les avocat a mandé ça pas dans livre. Nous venons avec livre ça, c'est pour chaque pensée au moun gagne, chaque réflexion un juriste fait pour le vérifier pour le est ça la loi dit de lui avant de parler.
Parce que le droit, c'est le texte d'abord, la réflexion après. Donc, le livre, ça va permettre tout le monde réorienter la réflexion juridique avant de voyer monter. Alors, pour nous finir, Maître Evans, pour nous tourner dans le sujet aujourd'hui, est-ce que pour même bourgeoisie, ça représente un handicap pour le développement du pays? Effectivement, débat à fait, c'est pas un exposé magistral. Bourgeoisie, ça représente un handicap. Nous sommes en zone frontalière, nous voyons qui ça commerce là, vous l'avez dit, nous voyons pas gagner et monde qui gagne moyen pas participer dans l'activité sociale, nous voyons jeunesse là, pas gagner côté pour l'aller, pas gagner activité saine, nous voyons monde qui a entré l'argent, communauté à bien-être, communauté à pas intéressé. Donc, ça, bourgeoisie à faire, ça, moun qui gagne moyen nan men yo, qui gagne gros capital à faire, pas bon, c'est pour yon changer, pour yon connaître. Si yon continue comme ça, même yon yon victime, parce que lorsque yon yon épidémie, yon mal, même si yon dans kayou, li kavin pour yon. Merci. Merci beaucoup.